Il y a un an, une après-midi d'été, sur un terrain de golf privé, Jonathan Wheeler, le maire de Portland, tire une balle avec son club de golf. La balle, on peut la voir partir, roule et tombe à quelques mètres du trou. Jonathan tape du pied. Ah, presque! Ah. Le maire est accompagné d'un homme de la cinquantaine, avec une montre luxueuse, un costume, et on peut voir qu'ils sont entourés de deux gardes du corps. Et ces gardes l'attendent à quelques mètres derrière, près du caddie. L'homme lui dit « Ah, mon cher Jonathan, parfois pour obtenir les choses, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut analyser et agir. » L'homme frappe la balle, qui est, elle, projetée en l'air, et qui atterrit directement dans le trou. Jonathan regarde et est assez ébahi de ce qu'il vient de voir et fait « Eh bien, impressionnant, vous êtes toujours aussi doué. Votre swing m'épatera toujours. » L'homme répond « Allons, tu peux me tutoyer, Jonathan. Nous ne sommes pas en rendez-vous d'affaires aujourd'hui, non? Je vous ai même déjà invité chez moi. Nous pouvons parler entre hommes aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie encore de m'avoir permis d'avoir implanté une de nos usines dans votre ville. Mais j'ai entendu dire que le chantier avait eu du mal à avancer. Les constructions étaient bloquées. C'est ce que j'ai entendu dire. » Jonathan soupire et fait « Oh, c'est un plaisir. Ouais, il y a un groupe d'écologistes à la noix qui nous pose problème. Les travaux ont du retard, mais je vous promets que c'est qu'une perte de temps. D'ici la fin d'année, elle sera fonctionnelle. Dernièrement, ils nous ont fait perdre du temps en prétextant avoir retrouvé des objets archéologiques sur le terrain. Je pense qu'ils arrivent à court d'idées. Ils tentent de jouer avec les lois, mais ce n'est qu'une question de temps. » L'homme change de club de golf et commence à se pencher pour tirer dans la balle. Et il fait « Les lois ?» Les lois, ce sont nous qui les écrivons, Jonathan. Du moment que tout le monde a quelque chose à gagner, les lois sont utiles pour garder le peuple calme. Et si parfois il suffit de payer quelques dédommagements pour les calmer, d'autres moments, il faut taper du poing sur la table et être ferme. Notre entreprise a de multiples contacts dans divers domaines et elle serait prête à collaborer avec toi, Jonathan. Je leur ai parlé de toi. Ouais, je sais que tu as du potentiel. Il lui donne une petite tape à l'épaule. Jonathan repose une balle de golf. Merci beaucoup, mais je ne suis que le maire de Portland. Et vous êtes une multinationale. Hormis cette usine, en quoi pourrais-je aider votre entreprise? L'homme écarte Jonathan et tire à sa place. Justement, Jonathan, tu n'as pas envie de viser plus haut? On a tous à y gagner. Donc vous êtes revenu au Cairn au début d'après-midi. Là, l'après-midi va s'écouler petit à petit et on va voir le temps que vous allez mettre pour trouver votre cible, l'aine courte patte, ce renard. Vous partez donc en forêt à la recherche de ce renard. Vous allez me faire un jet de survie. Ok. Alors, survie et quoi? Astuce plus survie. Astuce survie. Patton, vas-y-toi d'abord. Mais tu peux. On va le faire un pas. Ouais, chacun à son tour. Comme ça, on évite de trop se... Naïva, du coup, il faut rajouter les dés de rage. Ouais, exactement. Succès. 3. Très bien. Tiens, donc moi... Derek. 1. Derek se perd un peu en forêt. Ça va, 1. Pourquoi il cherche sous la souche? Un aussi. Très bien. Alors, on peut voir que Naïma prend le lead au niveau de sa recherche. Comment cherches-tu? Est-ce que tu te bases un peu plus sur ton odorat, sur ta vue? Dans un premier temps, sur l'odorat.
Donc en fait, je me faufile, j'évite les zones humides qui mélangent les odeurs et donc qui m'empêchent de bien déterminer une piste, de capter visuellement s'il n'y a pas une petite touffe de poils qui s'est accrochée à une ronce. Voilà, chercher comme lorsqu'on traque une proie, sauf que là, c'est un prédateur qui a une odeur plus musquée. Donc, et ensuite, je fais à l'ouïe en fonction de si on entend des animaux qui s'éloignent, soit ça vient de nous, soit ça vient de quelque chose. Et voilà, mais jamais loin d'un point d'eau. Question de survie. D'accord. Donc, vous suivez plutôt Naïma, qui est dans ses recherches. La fin de journée tombe malgré tout. Ça avait quand même pris du temps. Le soleil se couche petit à petit. C'est un beau coucher de soleil qui passe dans les bois. Et vous trouvez une petite cabane en bois, un chalet, perdu dans les bois. Vous arrivez, qui est dans une sorte de clairière, avec un petit cours d'eau, en effet, tu avais raison. Vous voyez ce chalet. Est-ce qu'il y a des odeurs particulières qui ont l'air de d'émaner des prédateurs locaux ou des Il y a choses? beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup d'odeurs. Mais vous sentez beaucoup des lapins, vous sentez beaucoup de gibier. Ok. Je suis en lupus, je suis dans les broussailles et je t'indique la porte arrière de la petite cabane. Je fais un claquement de crocs en l'air pour indiquer que on va s'approcher doucement. Je réponds par un grognement. Qui s'approche? Moi, je vais m'approcher. En voyant qu'il y a la cabane, je prends les devants directement au moment où on approche. Tu veux me faire un jet de furtivité? J'allais proposer, mais je vois le chef qui part en premier, donc. T'inquiète. Pourquoi le chef se foirerait? Oublie pas que t'as 2 dés de Oh! plus. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 dés de plus. Bon, là, il y a un succès. 3. Tu approches petit à petit de la cabane et tu vois une personne qui ne t'a pas vu sous un porche. Il est assis et il est sur une sorte de rocking chair qui bouge un peu. Et tu vois qu'il regarde le sol et qu'il finit une bière. Et il ne t'a pas vu. Ok. Je tente de le regarder si je vois quelque chose dans sa posture, son apparence, quoi que ce soit qui permette de distinguer s'il a des blessures, des choses comme ça. Alors, quand tu regardes bien, tu vois qu'il, on dirait une sorte de bûcheron. Il est un petit peu comme un bûcheron, mais tu vois qu'il est très sale sur lui, qu'il a de la barbe qui est mal rasée. Il prend pas du tout soin de lui. Il est assez âgé et il a un regard vitreux aussi. À la limite, si cette personne-là était dans la rue, par terre, tu pourrais penser à un SDF. C'est une personne qui prend pas du tout soin de lui. Ok. Donc, quand je remarque, je regarde si les autres me suivent. Moi, je me déplace comme en tactique de meute, c'est-à-dire que comme je suis la plus discrète, je suis vraiment en rase-motte et je fais le tour. Voilà, vraiment pour être dos à lui et contraire au vent. Moi, je reste en arrière dans les fourrés. Je suis pas le plus discret de la meute. Naïma, tu vas pouvoir me faire un jet de furtivité aussi. Dextérité plus furtivité. Cinq. Ok. Tu passes très discrètement. Personne ne te remarque. Toi, tu la vois à peine passer aussi. Donc là, je suis sur le côté du porche, on Tu peut es dire. sur le côté du porche tandis que Naïma sera derrière la cabane. Ok. Je tente de me rapprocher encore un peu plus de l'homme et je tente de sentir son odeur plus particulièrement. Si je peux percevoir potentiellement quelque chose de lupin chez lui. S'il y a quoi que ce soit que je pourrais repérer là-dessus. Tu vas sentir, tu sens un petit peu cet homme. Alors tu n'as pas de don qui te permet de savoir Oui, ou quoi que ce soit. bien sûr. Mais par contre, en effet, tu sens une odeur un peu assez forte. Tu sens une odeur de combattant de Gaïa. Tu Ok. reconnais un des tiens. Ok. Tu sens le prédateur. Ça marche. Dès que je sens que donc en effet il y a tout ça, je vais juste m'approcher et me mettre dans son champ de vision, en face de lui et en face du porche, et je vais m'asseoir. Tu vois qu'il te regarde, il sursaute un peu, il te regarde, il fait « Qu'est-ce que vous me voulez? Je commence donc petit à petit à prendre ma forme hominidée. Je regarde juste très légèrement dans mon dos, plus ou moins dans la direction où t'es, mais sans plus.
Faut qu'on parle. J'ai rien pour vous. Allez-vous-en. Vous êtes venu à combien, hein? C'est les seigneurs de l'ombre qui vous envoient? Non. C'est un petit cairn qui est pas très loin. Vous le connaissez sans doute. Lloyd. C'est Lloyd. J'ai rien pour lui. Allez, partez. Partez. Tu vois qu'il baisse un peu la tête. Monsieur, il va falloir secouer cette chaise, monsieur. Du coup, je sors du fourré sous ma forme homidée. Monsieur Courtepatte, enchanté, je suis Cros Savant, et voici notre chef de meute, qui s'appelle Hurle-Tonnerre. Enchanté. Pardonnez ces manières bourrues de Haroun. Il regarde, il a l'air un peu blasé. Et tu vois qu'il t'a pas l'air de l'intimider plus que ça. Tu vois, on dirait qu'il a même pas envie de combattre, en fait. On vient simplement vous demander audience. Et puis la question n'est pas tant ce que vous pouvez nous apporter, mais plus ce que nous pouvons vous apporter. J'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin d'amis. Vous pouvez partir. On a toujours besoin d'amis, vous savez. Et ça, c'est une doctrine que je devrais me faire tatouer. Mais, votre vie, est-ce qu'elle vous importe? Tu vois qu'il se lève, qu'il finit sa bouteille, qu'il la jette par terre, et qu'il crache un peu par terre. Partez! Il commence à avancer pour rentrer dans la cabane. Dès que je vois qu'il commence à s'avancer pour rentrer dans la cabane, je vais monter le porche pour me planter juste devant. C'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de gens. Il te regarde. Il a l'air de ne pas être impressionné de base, mais il te regarde et te dit... il a l'air d'être plutôt surpris. C'est-à-dire? On est passé faire un petit coucou à Endron, vous connaissez peut-être. Et il y aurait quelques garous peut-être de la spirale noire qui vous cherchent. Tu vois qui... Là, tu as tapé dans sa curiosité. C'est-à-dire, qui? J'ai pas son nom, mais il est grand, imposant. Il a l'air de mener comme petit toutou Enron actuellement, ou du moins l'usine là-bas. Tu vois qui? Tu sens une sorte de légère panique qui commence à l'envahir. Vous êtes que deux. Vous voyez, finalement, vous avez besoin d'amis. Vous avez faim? Entrez. Il vous ouvre la cabane. Je regarde vite fait dans la direction un peu plus sur le côté si je te perçois. Tu entends évidemment toute la conversation, même si tu es en loup caché. On est trois. Ah, je peux rentrer manger aussi. Il te regarde, il sourit. Entrez. Vous croyez vraiment qu'un vieux renard comme moi était un danger pour vous? Allez, entrez. Eh, on sait pas qui peut y avoir dans les bois tout seul. Le loup rôde. Vous entrez donc à l'intérieur de ce chalet, qui est par contre très chaleureux. Il y a une petite cheminée, il s'agit d'un beau petit chalet de bûcherons. Un peu crade par contre, parce qu'il l'entretient pas très bien, mais par contre il est très cosy. Vous sentez la nourriture sur le feu en train de cuire. Ça vous remplit les narines, vous sentez aussi du bacon, ça vous ouvre l'appétit. Et vous voyez en travers la fenêtre du chalet que la nuit tombe. Laine se pose sur une chaise et dit: asseyez-vous, vous voulez boire quelque chose? Vous avez faim? Je dis pas non à de la boostify. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu des invités, donc pardonnez mes agissements, mes présentations. Il se lève et vous voyez qu'il sort des vieilles assiettes en bois qu'il vous pose sur la table et qui s'approche du fourneau. Il est en train de retourner le bacon. Alors c'est quoi le problème? Ah, comment dire? Par où commencer? On a été rendre une petite visite
à l'usine et les choses s'activent. Endron possède ce qui ressemble à pas mal de fétiches. Enfin, là-dessus, c'est plus notre théurge qui saura plus vous en parler, parce que je vous avoue, je n'ai pas un expert. Entre théurge, on s'entendra bien. Ça ressemble à des fétiches, mais en tout cas, le plus surprenant, ce sont les glyphes qui sont faits pour ça, mais il y en avait en quantité, sur des morceaux différents, dans des caisses, avec des balles en argent. Et actuellement, notre théurge est en train de le regarder, mais on ne peut pas lui montrer. On ne sait jamais. Oui. On ne sait pas si... Pendant qu'ils sont en train... Tenez. Il ne faut pas perdre de temps. Oui, ben, on va lui montrer. Comment ça marche, ce truc? Oui, c'est bien ce que je vous disais. Il faut qu'on se modernise. Les objets de la tisseuse ne m'intéressent pas. Hop là, tenez. Et utilisez votre doigt pour défiler. Vous appuyez dessus et vous tournez vers la gauche. Et deux doigts pour zoomer. Mais qu'est-ce que ça avec ça? Il te montre, il a bougé la page et c'est un gros solde devant... Bon, montrez-moi. Tenez, regardez. Vous voyez, c'est exactement cette photo dont on vous parle. Ce qui ressemble à des fétiches, mais qui n'en est pas. Oui, ce ne sont pas des fétiches, en effet. Ce sont des objets qui peuvent être reliés à un fétiche. Lequel? Vous voyez qu'il regarde sur lui et vous voyez qu'il a un talisman. Donc les fétiches sont appelés des talismans désormais. Talismans. Oh oh. Je crois que c'est ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce joli talisman? Vous entendez un pshhh, la cuisine, le bacon commence à penser. Attendez. Il retourne le bacon et les sert dans les assiettes. Attendez. Vous voyez qu'il a l'air un peu barge parfois. Non. C'est pas vrai! Vous voyez qu'il tape. J'avais dit pas le faire cuire, pas le faire trop cuire. Oui, il remet le bacon, puis il vous le passe, il est un peu grillé. Il se calme, il s'assoit. Il prend un pichet de bière, il se sert de la bière et il vous en donne. C'est une longue histoire. Il y a des années, Mamet et moi même combattions le ver. Et ces danseurs de la spirale noire, avec acharnement. Cette meute était menée par le tueur de loups, un danseur de la spirale noire qui gardait les trophées de ses victimes. Mais les alliances entre tribus que nous avions faites avaient porté leurs fruits. Nous gagnions petit à petit les combats, bien que nous perdions malheureusement de précieux guerriers. Mais un jour, la meute de danseurs de la spirale noire que nous combattions ont pactisé avec un flayel, plus coriace. Il avait le pouvoir de libérer notre âge et de nous faire tous s'entretuer. Et sa corruption était puissante. Les habitants des villages aux alentours se comportaient de plus en plus violemment. Il y avait beaucoup plus de meurtres, de violences, d'agressions. Des massacres avaient lieu. Il s'agissait d'un flayel de la haine. C'est comme ça que je l'ai nommé. Et que ma meute le nommait. Alors, nous l'avons combattu. Tous ensemble. Mais ce flayel et son armée de Fomori... Et tous ces gens qui se transformaient petit à petit sans même s'en rendre compte, ainsi que la meute de danseurs de la spirale noire menée par le tueur de loups, nous ont enfilé nous ont mis vraiment dans la merde. Nos guerriers étaient de moins en moins nombreux. Avec un théurge seigneur de l'ombre qui était mon frère, mon meilleur ami que j'aimais, on s'est alliés. Et on a réussi à enfermer ce flayel dans ce talisman quand nous l'avions combattu dans l'ombre. Donc, visiblement, ils veulent chercher à libérer ce fameux flayel dans ce cas. Mais je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce flayel... Écoutez, les danseurs de la spirale noire qui sont menés par le tueur de loup nous ont pourchassés pendant des jours après. Et ont récupéré ce... Et enfin, ils voulaient récupérer ce talisman à tout prix. Mais je comprends, à l'époque, le flayel était puissant. Mais un jour, nous avons tous été trahis par l'un des garous qui travaillait avec les danseurs. Les danseurs nous ont retrouvés. Mon frère de meute, donc le théurge, seigneur de l'ombre, qui était d'ailleurs bien différent des siens,
est mort ce jour-là, en me disant de fuir loin avec ce talisman. Et lors d'une poursuite, je me suis retrouvé face à un précipice. Je n'avais pas d'autre choix que de soit sauter, soit me faire tuer. Et eux auraient récupéré le médaillon. Alors j'ai prié Gaïa, et j'ai sauté. Je me suis brisé les pattes en bas, mais j'ai survécu et les autres ont tous pensé que j'étais mort. La suite, les années, vous les connaissez très bien. Les années ont passé, votre cairn a été récupéré lors de la bataille de la Nuit Rouge. Lloyd est devenu chef. Les danseurs de la Spirale Noire ont été vaincus suite à ça. Les tribus ont tous éclaté, les fils de Fenris sont partis suite à leur excès de rage. Les seigneurs de l'ombre se sont enlevés de l'Alliance des Sept à cause des tensions avec les crocs d'argent, qui sont d'ailleurs eux-mêmes partis 2 ans après. Et Pentex a gagné du terrain au fur et à mesure des années. D'autres guerres ont eu lieu et on m'a oublié. On l'a oublié aussi. Et malgré la victoire face à la meute de danseurs de la Spirale Noire, chaque année notre population a diminué. Pentex est devenu de plus en plus puissant et nous avons perdu cette guerre. Il y a de moins en moins de garous, vous le voyez bien autour de vous. J'ai toujours voulu me faire oublier tout ça. Je veux plus revivre la perte de mes proches ou de mes amis. Avec ce que j'ai vécu avec ma meute, c'est... Mes frères d'armes sont tous morts. Gaïa est finie. J'y fais mon temps. Alors sauvez ce qu'il vous reste et n'ayez crainte de ce médaillon. Ce flayel n'est pas puissant. Maintenant qu'il est enfermé dans ce talisman, il n'est plus dangereux. Sa puissance a beaucoup diminué, il faudrait le nourrir. S'il se nourrissait, ça pourrait poser en effet un vrai souci, mais ça mettrait des années. Et dans ce cas, ces trucs-là, qui sont en train de mettre en place, le fait qu'il y ait à nouveau peut-être la spirale noire, Endron qui est en train de prendre de plus en plus son influence, le ver qui commence aussi à de plus en plus se poser, la guerre qui commence à se mettre en place entre tous nos frères. Ce n'est plus mon problème. Si. Mais on ne peut pas t'obliger à reprendre le combat. Par contre, tu peux nous permettre, nous aussi, de tenter de faire ce que tu as fait, de sauver les nôtres. Et pour cela, il faut que tu nous donnes ça. Regarde le médaillon. Si tu ne veux plus ou tu ne peux plus lutter, c'est ton choix. Mais nous, on peut. Et on a espoir. On portera le tien d'espoir, aussi mince soit-il. T'es tout seul et ils vont te retrouver. Mais... Brouillons les pistes et faisons en sorte que ceux que tu as aimés et tous les tiens ne soient pas morts pour rien. Je t'en prie, pour Gaïa. Alors tu vas pouvoir me lancer un jet de charisme plus persuasion. Tu veux pas m'aider à appuyer? Tu peux en aider l'aider si tu rajoutes quelque chose au-dessus. Peut-être mettez-y de l'empathie, si vous avez de l'empathie. Oh, j'ai tout. La difficulté sera de 2 seulement. Ok. Vous savez, votre temps est peut-être... Enfin, vous estimez avoir fait votre temps, mais le temps n'aura fini avec vous que quand il l'aura décidé. N'oublie pas qu'il y a les jets de volonté qui te permet de relancer jusqu'à 3D. Mais là, c'est que les vénérages. Ils vous regardent tous les deux. Tu vois qu'il lâche le médaillon et tu l'as convaincu aussi de vous suivre dans ce combat. J'ai longtemps fui, j'ai perdu tout et ma femme me serait aurait honte de moi. Je viens avec vous, mais je ne comprends toujours pas pourquoi Pentex veulent vraiment ça. Je veux dire, même s'ils mettent la main sur le talisman, l'esprit est faible, ça lui prendrait beaucoup de temps pour se nourrir. En général, ils sont plus du genre à libérer un flayel qui leur serait utile dans quelques jours, quelques mois. Là, il faudrait, je pense, 1 ou 2 ans. Peut-être que justement, ils comptent sur ce temps-là, ou qu'ils ont trouvé un moyen de renforcer un flayel en très peu de temps. Si, comme vous nous avez dit, il a posé autant de problèmes et autant de dangers, doit être une piste pour ou en refaire un flayel puissant, ou encore un autre flayel. Vous voyez qu'il mange encore du bacon. Comment est votre bacon? Riche en carbone. J'aime bien. Tu vois qu'il sourit. Je n'avais pas souri depuis tellement longtemps. Lloyd m'acceptera. Oh, il va pas avoir le choix. Ça va pas être facile, mais...
On n'est pas... Hein, on vous la facilite. Mais nous devons nous allier au Seigneur de l'Ombre. Flynn saura quoi faire aussi. De toute façon, nous sommes trop peu nombreux pour refuser l'aide de qui que ce soit. Et les Seigneurs de l'Ombre, ils t'écouteraient ? Bien sûr, je m'entends bien avec Flynn. Parfait ! On a une raison supplémentaire pour que Lloyd veuille bien l'accepter. Si tu arrives à les convaincre, Lloyd n'aura pas d'autre choix que de t'accepter. Tu auras fait ce qu'il faut pour qu'on s'unisse à nouveau. Vous me rappelez vraiment de mon ancienne meute. Comment s'appelle votre meute ? La meute des veilleurs. Les veilleurs. J'aime bien, ça sonne bien. Vous m'avez l'air sympathique, les veilleurs. Bon, je vais vous suivre, mais avant, goûtez mon saucisson. Et il vous sort un saucisson au milieu de la table. Wow. Qui commence à couper. Et il faut pas me tenter comme ça, monsieur. Est-ce que vous en prenez ? Oui. Après le chef. Je prends donc un morceau directement. Je le prends, mais vraiment avec lenteur. Allez, dépêche-toi. Et je savoure. Les bonnes manières. Ça coûte trop cher au supermarché. Bon, merci. Tellement. Tu vois qu'il sourit un peu. C'est là. Ça lui fait du bien de voir du monde. Qui est assis le plus proche de la fenêtre ? Tu seras donc assis le plus proche de la fenêtre. Tu vas me lancer un jet de vigilance. Résolution ou astuce ? Astuce. Réussite brutale. Réussite brutale. Très bien. Alors, tu vas gagner un point de rage. Et quelque chose te prend d'un seul coup aux narines. Tu sens une odeur de feu. Tu vois par la fenêtre la forêt qui brûle autour de vous. Et une attaque éclair au chalet a lieu. Un lance-grenade est tiré. Une grenade tombe. Une grenade incendiaire passe par la vitre et tombe au sol près de vous. Vous êtes tous projetés au sol. Vous allez me faire un jet d'athlétisme. Ok, chacun notre tour. Vas-y. Oui. Naïma. 1. Ok. Moi, ça va être 2. Un de rage. Et. 3. Rien. Vous êtes tous projetés. Naïma, tu te prends 3 dégâts contendants. Ah ! 3 dégâts létales, pardon. Peter, tu te prends 3 dégâts aussi létales. 2 en divisé. Et du coup, Derek, toi, tu te prends que 1 dégât létal. Okay. Vous êtes tous projetés par terre. La table vole. Vous voyez Len qui est projetée aussi et qui tombe au sol. Vous voyez le feu prendre dans le chalet. Le feu commence à monter sur les murs. Des soldats de la sécurité de Pentex entourent le chalet et se mettent à faire feu et tirent en travers les murs. Len est par terre. Bête, baissez-vous, baissez-vous. Len, viens, viens, approche-toi de moi. Il faut le talisman. Moi, directement, je fonce en fait vers Len vu que je me reprends plus vite et je me mets avec mon corps par-dessus lui. Et je le redresse et je commence donc à directement l'embarquer. Faut qu'on se casse ! Len te pose la main sur l'épaule et dit « Ils ont des balles en argent !»« Si on part en loup, ce sera moins dangereux !»« On va faire ça, vite !» Il s'adosse à toi et il dit « Je vous suis jusqu'à votre cairn, on y va !» Vous commencez à sortir du chalet ? Oui. Ah oui. Vous sortez du chalet. Les balles commencent à fuser. Vous allez tous me lancer un jet de dextérité plus athlétisme. Okay. Ils sont un peu partout dans les bois. Donc là, on s'est transformé en lupus. En lupus, ouais. Difficulté de 4. Donc là, il y a 2, 3. T'as 2 succès. Que 2 succès. Okay. Mais je relance pas. Ok. Allez. On court, papy. 1, 2, 3, 4. 4 et 4. Ah oui, 4, 5, 6, t'as 6. Oui. Ok, très bien.
Oui, j'avais fait les étoiles. Tu ne seras pas touché. Ok. Donc, vous êtes tous les deux touchés et vous prenez 4 dégâts qui ne sont pas divisés, du coup. Donc, divisés par 2. N'oubliez pas que vous pouvez vous soigner. Oui. Les balles fusent autour de vous. Vous recevez tous les deux des balles et vous voyez en effet que ce sont des balles en argent. Cependant, les balles en argent n'ont aucun effet sur le lupus. La forme que vous êtes, que vous avez pris actuellement. Comment va Len? Len se transforme en lupus. Il va bien. Il okay. S'est remis sur pattes. Et tu vois en effet son nom, Len courte patte, et tu vois en effet qu'il a des pattes assez courtes pour un loup. Moi, je ferme la course et en voyant qu'il commence à se prendre des balles, et juste je ralentis un peu pour être le plus derrière, pour faire en sorte que je sois ici principal au besoin s'il y a encore des tirs qui fusent. D'accord, ok. Len vous fait un signe pour fuir et puis il vous suit jusqu'au cairn. Qui passe devant? Passe devant, moi, je vais rester au milieu. Et... Je vais essayer. Et je vais me soigner. Très bien. Tu peux te soigner, fais un G pour te soigner. Est-ce que je peux faire un G pour me soigner oui, aussi? Ça passe. Ok. Vous voyez qu'un drone passe à toute allure dans le ciel, au-dessus de vous. Il semble scanner la forêt. Les balles fusent et continuent de fuser partout. Vous voyez qu'ils sont vraiment en camo, ils sont planqués dans les forêts. Et le feu se propage dans la forêt. La forêt crame. Tu vois que le feu avait déjà bien commencé avant que tu t'en aperçoives. Tu te retrouves donc dans un feu. Vous vous retrouvez donc dans un feu de forêt. Vous courez entre les flammes. Len se court derrière vous et se met à disparaître en utilisant une sorte de camouflage. On dirait qu'il a une sorte de don qui lui permet de disparaître. Vous apercevez une vague forme qui se confond avec l'environnement. Moi, de toute façon, je continue de courir, mais en fermant la marche pour être la cible prioritaire, au mieux. Et juste, je pousse même un hurlement, puisque vu qu'il y a le tumulte, au pire, ils se focuseront plus sur moi encore. Et je vais en profiter d'ailleurs pour faire rage lunaire dans ce principe-là. Donc, mon premier hurlement au cours d'une nuit me donne un point de rage. Donc voilà, je gagne un point de rage. D'accord. Tu hurles à la lune avec la forêt qui prend feu derrière toi. Vous courez tous. Donc, tu étais devant, tu étais la suivante, Daïma, et Derek, tu étais à l'arrière. Derek, par contre, le souci du don qu'il vient d'utiliser, Len, c'est que tu ne le remarques plus non plus. Tu vois pas vraiment oui. Où il est. C'est le souci. Donc, tu cours, tu vois, tu suis ta meute, tu continues de courir. Vous allez me refaire un jet d'athlétisme, dextérité plus athlétisme. Et ceux-là, ils peuvent avoir leur difficulté réduite et moins augmentée dans le processus. Vu que je oui. Fais en sorte d'être la cible prioritaire. Oui, en effet. La difficulté sera de 2 pour vous et sera de 4 pour toi. Ok. Deux, très bien. Ça va. Vas-y, pas d'abord. 1. Peter, 1. Donc là maintenant j'ai 2 dés de rage par contre. Tu recevras 2 dégâts. J'ai 1, 2. Et ben j'ai 2. Ok, alors tu reçois 6 dégâts non divisés. Ok. Les balles en argent passent et te transpercent la peau. Ben là, en courant d'ailleurs, tu vois quelques soldats qui sont assis, qui sont penchés sur des arbres et qui tirent. Ok. Tu fonces, tu encaisses les balles. Je fais des yappements. Vous entendez tous. Votre congénère. Moi, je ralentis parce que je ne vois plus notre porteur du talisman et le chef est clairement en mauvaise posture. Donc du coup, je pile, je freine et j'essaie de comprendre la situation. Je vais me guérir et je pousse un hurlement d'appel à l'aide. Ok, je te laisse te guérir. Je peux tenter de me guérir aussi. Oui, tu peux te guérir. Oui, tu peux aussi. Ça fait quoi? Ce qui hurle, c'est toi qui hurle, vous l'entendez hurler pour vous retrouver. Le problème, c'est que le feu envahit la forêt et qu'il y a de plus en plus de fumée un peu partout. Et votre vision commence à être vraiment... Enfin, vous êtes vraiment embêté pour vous diriger dans cette forêt entre les bruits de tir, la fumée et les bruits de loups. C'est très difficile. Et vous vous retrouvez tous ensemble.
Ok. On voit pas Courte Patte. Courte Patte n'est pas là actuellement. Il doit sûrement vous suivre, mais en... avec son don d'invisibilité. Je grogne et lâche un micro-aboiement en voyant que je l'aperçois pas. Mais priorité à la meute, directement, je donne un petit coup légèrement de croc aux deux pour qu'on continue de courir et qu'on se casse. Ok. Vous partez. Naïma, tu fais quoi? Non, je les suis. Mais Naïma semblait réfléchir. C'est trop long de passer dans l'ombre, je peux rien faire et j'étais très inquiète. Donc j'ai mis peut-être quelques secondes avant de repartir avec toi. Peter, pareil, tu suis? Ouais. Okay. Vous partez, vous repartez, vous continuez votre course et tu aperçois encore la forme un petit peu invisible qui vous suit. Il semble vous suivre. Soudainement, une forme imposante apparaît de sa gauche et saute sur l'aine qui tombe et roule au sol et redevient de nouveau visible. Un crinos assez grand, déformé, balafré, avec de multiples cicatrices. Vous sentez le verre à plein nez. Il s'agit sans doute du tenseur de la spirale noire aperçu avant dans l'usine, dans le laboratoire, le tueur de loup. Et tu entends finir ce que j'ai commencé. Tu aperçois ses griffes. Il se grandit. Au même moment où tu vois ça, une grenade incendiaire tombe entre vous et l'aine. Elle tombe face à vous et vous sépare de l'aine et du danseur de la spirale noire. Le feu se propage et vous sépare. Mais vous pouvez continuer de voir la scène ensemble. Qu'est-ce que vous faites ? Je vois que on va pas avoir moyen de passer. Je grogne, j'aboie et directement dans la direction et je sens que je plante mes griffes dans le sol. Alors que je regarde ce qui se passe. Naïma ? J'arrive pas à me détacher des yeux de ce qui se passe. Peter ? Je commence à tirer hurle-tonnerre par la patte arrière, vers l'arrière. Faut qu'on s'en aille. De toute façon, on pourra plus rien faire. Vous voyez les buissons qui commencent à bouger autour de vous, des soldats commencent à avancer. Est-ce que vous voulez tenir face aux soldats ou fuir du coup? Non. Partez. On part. Quand je vois que les deux autres veulent partir, je... Priorité à ma meute. Juste avant de partir, vous voyez le feu, les flammes devant vous, et vous voyez que l'aine se transforme en crinos et se met à hurler face aux danseurs de la spirale noire qui se met à hurler aussi. Vous voyez que les deux sautent l'un sur l'autre. Le combat fait rage, les deux crinos se lâchent l'un sur l'autre et vous apercevez le danseur de la spirale noire transpercer le rôle d'un coup de griffe. Le corps de l'aine tombe au sol dès qu'il remonte ses griffes. Ses intestins tombent. Le danseur de la spirale noire s'avance et se place au-dessus de lui et lui arrache son médaillon. Vous voyez une sorte de sourire apparaître. Il a désormais le talisman. Enfin! Il vous fixe et lâche un grognement. L'aine est au sol, en sang, et vous regarde. Et vous voyez que il tend le bras. Fuyez, prévenez les seigneurs de l'ombre et votre cairn et... Il n'a pas le temps de finir sa phrase que le danseur de la spirale noire s'acharne sur son corps, encore et encore et encore, le transformant en lambeau. Vous voyez des morceaux qui sont projetés. L'imposant crinos du verre se met à hurler. Il se tient droit, hurlant entre les flammes. Le corps de l'aine gît au sol et reprend une forme humaine. Les soldats arrivent vers moi. Après ça, je perds pas plus de temps et directement je pars, mais en restant le plus silencieux possible. Mais je reste le plus proche possible des deux autres. Ok. Vous fuyez. Apparemment, les soldats et le drone arrête de tourner autour de vous. Ils semblent avoir trouvé ce pourquoi ils étaient là. Et ils semblent l'avoir récupéré. Vous repartez vers le cairn. Vous revenez vers le cairn. Vous êtes blessé. Tu as encore d'ailleurs, Derek, les balles qui sont en argent dans ta peau de loup. Petit à petit, il commence à sortir puisque tu te soignes. Je pense que vous vous soignez tous. Je m'avancerai en forme omidée vers chacun de vous et je ferai appel au don de la caresse de la mer pour vous apaiser les blessures et les résorber.
Vos blessures se referment petit à petit. Vous êtes en route pour revenir vers le cairn, mais cependant, ce que vous avez vécu vous a aussi touché. Parce que, même sans forcément parler de l'aine lui-même, il s'agit aussi d'une image de ce guerrier de Gaïa qui s'est fait étriper devant vous, alors que vous êtes déjà si peu nombreux, ainsi que de votre échec dans cette mission. Vous allez donc me faire un jet d'Arano. C'est une réussite pour Naïma. Échoué. Derek, tu prends donc point d'Arano. Échoué aussi. Et ce sera pareil pour Peter. Vous avancez donc vers le cairn. Vous quittez cette forêt brûlée. Vous êtes éclairé par la lune. Et vous voyez les torches du cairn un peu plus loin. Vous apercevez même le van de Bran. Vous avancez. Et vous êtes encore en lupus. Vous êtes ensemble. Que faites-vous? Dès qu'on arrive dans la clairière et plus ou moins la zone qui nous amène donc au cairn, je reprends ma forme omidée. Et puis petit à petit, je m'avance et puis je me pose contre un arbre, juste mon épaule. Putain de merde! Ça aurait pas dû se passer comme ça. Je m'installe à côté de toi. J'ai une forme omidée. On a fait ce qu'on a pu. Un pas de plus vers notre extinction. Tu veux nous saper encore plus le moral? C'est un état de fait. On en a perdu un de plus et aucun nouveau arrive. C'est ce qu'on appelle une extinction. Et en plus, ils ont le talisman. Il va falloir qu'on prévienne Lloyd, etc. Et surtout qu'on règle tout ce bordel avec les seigneurs de l'ombre, parce que là, on peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on aille voir les seigneurs de l'ombre en premier. Tant pis. Ils verront qu'on est sincères. Faut quand même qu'on prévienne le cairn qu'ils ont le talisman. Faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. On peut pas partir et laisser le cairn sans qu'ils soient... Ils seront prêts. On a des sentinelles. Oui, et eux, ils ont un garou bien sauvage, qui visiblement a en sa possession un artefact qu'ils cherchent depuis longtemps et qui a l'air très satisfait de l'avoir. Le cairn s'attend à une attaque d'une autre tribu de garous, je te ferais dire. Donc, ils sont prêts. Par contre, nous, on peut faire d'une pierre deux coups. On peut avoir des alliés et stopper justement cet affrontement entre le Seigneur de l'Ombre et notre cairn. On va le faire, mais... Je reste d'avis qu'on doit quand même les prévenir avant de partir directement. Moi, je suis pas d'accord. Comment il s'appelait déjà son membre de meute qui faisait partie des... Il l'appelait son frère, j'ai pas retenu le prénom. Un autre théurge de Seigneur de l'Ombre. Ça pourrait les intéresser de savoir que l'un des tueurs de leur frère est dans les parages. Ça pourrait peut-être... les amener à se joindre à nous au combat, ce sera peut-être une bonne chose, au final. Ouais. Faut voir. Bon. Moi, j'applique un peu le principe de la démocratie chez nous, donc... on les prévient, ou on part directement à la recherche des seigneurs de l'ombre. Si tant est qu'on sait où ils sont. Je pense que toute une tribu, ça se trouve, quand on veut. En période de guerre. Je pense que se mettre à la recherche des seigneurs de l'ombre paraît être la meilleure chance qu'on ait. De toute façon, Pentex a vu ce qu'il voulait. Il faut retourner chez eux. Et profiter de tout ça. Je doute qu'ils nous attaquent dans la foulée. Surtout qu'ils ont la babiole qu'ils voulaient tant. Talisman. Ouais. Vous voulez qu'on parte directement maintenant sans prévenir le cairn? Oui. C'est mon avis. Plus vite on rallie les seigneurs de l'ombre et mieux ce sera. De toute façon, techniquement, on est sur le pied de guerre depuis le début. Alors, c'est pas en les... Allez, on va pas se laisser abattre. Non, non, c'est pas la question. Ah, c'est juste que j'essaie de... voir pour gérer le temps mieux, mais... Allez,
Bon ben, on part à la recherche des seigneurs de l'ombre. Faut déjà voir si on a des pistes pour savoir où aller. Alors vous connaissez à peu près leur territoire, aux seigneurs de l'ombre, donc vous pouvez vous y diriger. C'est un petit peu plus au nord dans la forêt. Ok. C'est toujours dans la même forêt. C'est un peu, c'est vos voisins au final. Ouais. Et ben, on va Il y a juste un lieu très neutre entre vous. Et ben on y va. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Bran de nous emmener avec son van? Non. Arrêtez avec vos objets là, de la tisseuse. Ouais, sauf que la dernière escapade en Lupus, on sait comment on l'a fini. Tandis que... Des humains lambda qui se baladent en forêt, qui iraient leur tirer dessus avec des ballons d'argent. Ils vont probablement de suite comprendre ce que l'on est. On va pas se prendre la tête avec le van, on va juste y aller. On va éviter de se ramener avec un camion directement chez eux. Comme ça. Et puis c'est toi, Crossavant, qui va être le porte-parole de notre meute, comme d'habitude. Ouais. Genre, encore faut-il qu'il arrive en vie jusque-là. Oui. T'inquiète, allez. Je te tirerai même ton cadavre, tu pourras leur parler dans l'ombre. Oui. Je vous propose que, avant de partir, on fasse un hurlement funéraire pour notre ami. Ouais. Mérite. Le hurlement résonne dans la forêt. Et on part. Vous partez en direction du nord. Vous n'allez donc pas au cairn, vous le contournez et vous vous dirigez vers la zone des sept des seigneurs de l'ombre. Vous vous enfoncez dans la forêt encore. Vous passez la fameuse frontière, une zone que vous savez que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous le savez très très bien. Passer dans des hautes herbes. Vous y allez en quelle forme d'ailleurs? Je continue en Lupus. Lupus. Lupus? Mais la même. Vous êtes donc en Lupus. Vous passez dans les hautes herbes. Et vous arrivez dans une sorte de clairière avec une grande zone à découvert, avec des gros rochers. Et vous voyez qu'il y a de la mousse dessus. La lumière de la lune peine d'ailleurs à traverser les arbres. Vous êtes dans un renfoncement, entouré de gros rochers. Et vous entendez soudainement un hurlement de loup. Mais celui-ci vous donne des frissons et vous glace le sang. Un imposant loup noir se dresse sur le grand rocher devant vous, en hauteur, et vous surplombe. Il vous regarde, il vous fixe, et vous entendez des bruits dans les feuillages autour. Vous regardez autour de vous et vous apercevez une meute de loups noirs sur les rochers et qui sortent de la forêt et qui vous encerclent. Le grand loup respire fort et il saute au sol devant vous, à votre hauteur. Il s'approche doucement. Ses poils se hérissent et vous apercevez qu'il a un croc cassé. Il avance vers vous et reprend une forme humaine. Vous voyez un homme aux cheveux longs, charismatique, le chef du sept des seigneurs de l'ombre, Finn Cross. Finn vous regarde et vous fait un sourire. Il semblerait que vous soyez égaré. Je prends ma forme homidée. Et... nous ne sommes pas égarés, malheureusement pour nous, et malheureusement pour vous. On vient vous réclamer une audience et un peu d'hospitalité, pourquoi pas. Allons, une audience et de l'hospitalité, j'aime ça. Nous avons pourtant été clairs, vous n'avez pas le droit de passer cette frontière. Vous pouvez les bouffer, allez-y. Vous voyez que les loups se rapprochent fur et à mesure, et ils commencent à vous tourner le dos. Attendez. Une audience? Il vous écoute. Il a le talisman, un drone. Quel talisman? Je me fous d'un drone. On va aller... Quand on aura récupéré votre cairn, je m'occuperai personnellement des drones. Donc avant de dire ça, je suis en homidée. Les loups s'arrêtent. Je reste toujours en Lupus pour ma part. Et le tueur de loups? Ça vous parle, ça? Non? Le tueur de loups? Ouais, ce danseur de la spirale noire. Oui. Il est mort il y a longtemps. Non. Oui.
On l'a vu. Et il a tué celui qui s'est sacrifié pour la nation Garou, qui a protégé ce qui devait être protégé. On l'a vu. L'odeur du brûlé de la forêt, ça va à des kilomètres, vous le sentez, c'est sûr. Tu vois qu'il arrête de sourire. Il regarde les autres loups. Laine ? Courtepatte est mort. Et il était prêt à nous suivre pour venir vous voir, parce que il a pris conscience que c'était grave. Et il s'est sacrifié pour nous. Chier. Laine est mort alors. Et ils ont le talisman ? Oui. Et vous avez été incapable de les arrêter. Alors pourquoi j'aurais besoin de vous ? Je prends ma forme ominée. Oh ! Bon, on va arrêter de faire ces conneries de combat passé, etc. Les petits conflits de territoire entre notre cairn, entre chez vous, on va faire ça. Non, vous allez m'écouter. Tu vois qui s'impose ? Vous avez choisi d'aider les crocs d'argent à l'époque. Vous êtes tout en partie responsable. Vous avez suivi Lloyd. Pas nous. Je nous sommes arrivés après. On s'en fout. D'accord, il s'est passé des choses avec votre territoire. Il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons. Mais là, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Laine est mort. Ils ont eu un putain de talisman. On ne sait pas pourquoi ils en ont besoin. Une personne que vous dites qui est censée être mort, le tueur de loups ? Non, il est là. Il est avec Endron. Il prend de l'influence. Endron commence à se faire des faux moris. Le tueur de loups. Nous nous sommes occupés de sa meute à l'époque. Nous les avons tous tués, il me semblait, pourtant qu'il était mort. S'il a survécu, il ne survivra pas longtemps, on s'en occupera. Il est vieux maintenant. Il semble avoir la main mise sur les dirigeants de l'usine d'Endron, qui est en train de polluer notre terre. Et écoutez, on a préféré venir vous voir en premier, avant de prévenir notre cairn. Vous pouvez faire ce que vous voulez de nous. Vous voyez qu'il rigole. Vous êtes en train de me dire que vous avez pris une initiative sans en parler à Papa Lloyd. Je suis si fier de vous, les petits louveteaux. Incroyable. Vous seriez vraiment à l'aise dans ma tribu. Bien. Maintenant, vous allez nous aider. Alors, je vous écoute. C'est quoi l'idée ? C'est quoi le plan ? Qu'est-ce que vous voulez ? Endron prend en influence, le maire aussi. Il y a des conflits entre notre cairn et vous, qui tardent beaucoup trop. Donc ce qu'on propose, et ce qui doit être fait pour le bien de toute la nation Garou, et de toutes les personnes présentes ici, c'est qu'on cesse le conflit, et que l'on fasse enfin ce putain de paix, pour pouvoir s'occuper de la véritable menace que se trouve être le ver. Alors tu vas me lancer un jet de charisme plus persuasion. Est-ce que je peux l'aider ? Tu peux l'aider. Dans mon discours ? De l'empathie ? Non, tu me lanceras plus de dés. Plus de dés. Donc... 4. Très bien. Ok. Vous voyez qu'il accepte assez facilement. Très bien. Alors, on travaille ensemble, on s'occupe de tout ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Exactement. On rejoint votre cairn, on en discute avec Lloyd. Vu qu'il va falloir qu'on fasse un plan, en effet, il va falloir qu'on se coordonne tous ensemble. Bien entendu. Très bien, mais je ne travaillerai pas pour Lloyd. Que ce soit clair. C'est pas la question. Vous travaillerez avec. Personne ne travaille pour personne ici. Nous travaillons tous ensemble. Oui, je connais les discours de Lloyd. Très bien. Il se frotte les mains. Je vais vous suivre jusqu'à votre cairn. Merci. Mais la paix n'est que provisoire. Nous verrons, nous en rediscuterons après. Chacun ses priorités. Laine était quelqu'un de bien. Il ne faisait pas partie de ma tribu, mais il était quelqu'un de bien. Et, si ça peut vous rassurer, même lui, avant de mourir, avait compris que faire bande à part n'était pas une fin en soi. Et Lloyd ne devrait pas posséder ce cairn.
Vous pensez que ce serait plutôt au Seigneur de l'Ombre de le protéger ? Je pense, je suis sûr. Peut-être que ce sera quelque chose à discuter. Si on arrive à retravailler ensemble, eh ben, je vois pas pourquoi on devrait encore couper court à des discussions. Mais ça, c'est pas notre niveau. On a tous un objectif commun, je vois pas pourquoi on perd du temps en politique. Eh bien, sachez que la politique est une des choses les plus importantes si vous voulez garder le pouvoir. Et si vous voulez mener à bien cette guerre, vous devez garder le pouvoir. Si des personnes aussi faibles que Lloyd arrivent à être chef d'un cairn, cela nous mènera tous à notre perte. Tant de bêtises dites dans une seule phrase. Ou je peux aussi laisser mes loups vous bouffer. Oui, oui, faisons ça. Comme ça, nous perdrons encore de précieux lupins. Qu'ils sont incapables de terminer leur mission, bien sûr. Non, mais il faut arrêter avec ces vieilles rancœurs qui... Non, mais vous comprenez pas. On n'y est pas, on s'en fiche. On est une espèce en voie d'extinction, il faut arrêter ces conneries. Tu vois qu'il commence à grogner et s'approcher de toi. Gros savant. Nierais-tu que nous sommes une espèce en voie d'extinction ? Combien de nouveaux seigneurs de l'ombre sont arrivés dans votre cairn depuis ces derniers temps, ces quelques années ? Combien ? Aucun. Pourquoi ? Parce que Lloyd a la main mise sur le territoire et que les seigneurs de l'ombre ne peuvent passer ce territoire. Combien de nouveaux membres avons-nous reçus à notre cairn depuis ces dernières années ? Aucun. Nous sommes une race en voie d'extinction. Il faut abandonner les rancœurs. Il faut se moderniser. Il faut arrêter de penser plus fort, plus faible. Là n'est pas la question. Nous avons des griffes, nous avons des crocs, nous sommes tous forts, nous le savons tous. Mais le combat se joue pas là. Et ça, vous le savez. Vous l'avez dit, ça se joue en politique. Alors, allions votre savoir-faire avec notre savoir-faire. Je t'aime bien, toi. Écoute, c'est d'accord, mais j'aurai mon mot à dire sur le plan. Et ce sera aussi à ma manière. Soit. Je comprends pourquoi Lloyd vous aime bien. Allez, je vous suis. Et je prends les devants. Les loups vous laissent passer. Vous pouvez repartir. Vous voyez que quelques loups vous suivent aussi. Vous repartez en forêt, du côté du cairn. J'oriente dans sa direction. Je porte pas la bêtise. Moi, dans ma langue natale, je dis idiot. Avant de redevenir un lupus. Vous repartez en direction du cairn. Avec le chef des seigneurs de l'ombre.